Bienvenue à Beaufres, un village d'Ardèche de 700 habitants. Là aussi, les commerces ont fini par fermer. Et quand un commerce ferme, c'est toute une part de vie sociale qui disparaît. Fort heureusement, l'auberge, non dénuée de charme, a séduit Mario, Malika, Ludo et Arthur. Leur idée, ouvrir un bar, restaurant, épicerie, lieu culturel. Leur problème, acheter et rénover une bâtisse de 800 m². Et c'est là que Village Vivant intervient. Village Vivant, du coup, c'est la première foncière solidaire rurale qui achète des lieux, les rénove et installe des porteurs de projets qui favorisent le lien social, la rencontre entre les habitants. Les exemples, c'est des épiceries coopératives, des restaurants en court-circuit, on espère des micro-crèches, des librairies coopératives. Autour de l'auberge de Beaufres, c'est tout un réseau de partenaires qui s'est mis en place. Des partenaires qui coopèrent et qui placent bien souvent la coopération au cœur de leur statut. La mairie de Beaufres, qui soutient l'auberge et prête gracieusement des locaux. La fondation Raoul Follereau, qui s'engage pour la revitalisation des territoires délaissés. Initiative 2607, qui accompagne et finance des projets de l'économie de proximité. La SIC de Grenade, qui favorise l'émergence d'entreprises viables, autogérées et en circuit court. La SIC Village Vivant, qui rachète, rénove et loue des locaux pour installer des projets à fort impact social. La Poste, qui installe un relais à l'auberge de Beaufres. Tous autour des aubergistes et de la structure en scope qu'ils ont créée. Au sein de la Fondation, nous cherchons à promouvoir l'installation de porteurs de projets en milieu rural. Et c'était important pour nous de venir ici à Beaufres, à l'endroit où il y a un porteur de projet qui est présent, pour signer cet accord avec Village Vivant et également pour soutenir cette installation à Beaufres. Donc moi je suis Arthur, je suis un des 5 coopérateurs. J'ai atterri dans le monde du coopératif et d'autogestion par les projets du Grenade à Lyon. Et me voilà aubergiste à Beaufres, avec une forte sensibilité pour la cuisine. Donc aujourd'hui, c'était un moment important. On a reçu pas mal de partenaires et de mettre autour de la table le groupe La Poste, la fondation Raoul Follereau, la mairie, Village Vivant, des aubergistes, initiatives, des projets locaux et tout ça. C'était vraiment pour moi quelque chose d'assez fort et en fait qui donnait vraiment de la réalité à notre aventure. Et c'est toujours agréable, voilà, de pouvoir échanger, partager et puis ensuite bien manger.